Le requin corail gagne la troisième place de ce classement face à tous ses concurrents. Et on comprend pourquoi. Il travaille en groupe. Ce poisson-coffre ne fait aucun mouvement brusque pour ne pas attirer l'attention. Il veut seulement s'en aller. Plus la nuit avance, plus on observe de requins corail. Un monacanthe fait l'erreur de sortir de sa cachette. Il ne survivra que s'il peut nager plus vite que les requins. Mais même à l'intérieur du récif, les poissons ne sont pas à l'abri. Les requins leur foncent dessus. Ce jeune mérou cuir a trouvé la meilleure cachette entre les épines d'un oursin. Il est aux premières loges pour observer les autres poissons courir à leur perte. Un poisson soldat attire l'attention en voulant s'échapper. Comme ils chassent en meute, les requins corail sont très efficaces pour attraper leur proie. Certains vont pousser les poissons à aller vers le récif, d'autres vont les attendre et les attraper dans leur fuite.